Salut, ici Lambert Kouassi. Notez ceci, parlant de Crowd1, que ceux qui ont créé ce système sont très intelligents, sont très fins, et ça a beaucoup de finesse avec l'intelligence qu'il faut comprendre leur système. Durant cette vidéo, je vais vous révéler réellement l'ossature, si vous voulez, le squelette de leur business. Ce que vous voyez là, c'est le squelette de leur business qui est là. Comme un être humain, il a un ventre, il a une tête, il a des pieds en bas, il a une main droite, une main gauche. Voilà, vous voyez, non? Bien. Et donc, qu'est-ce que Crowd1 fait? Crowd1 qui est au milieu, c'est une compagnie de marketing. Ils sont puissants dans le marketing. C'est une compagnie aussi de online networking. Ils sont capables de mettre en réseau des gens. Eux-mêmes, ils parlent de crowd marketing, le marketing basé sur la foule. Ils sont capables d'attirer du monde. Vous voyez même qu'ils se vantent d'avoir 750 000 membres. Bientôt, ils vont se vanter d'avoir 1 million de membres. Ils utilisent un marketing très agressif. Donc, ce sont eux qui sont au milieu là. Ça, c'est la compagnie. Ça, c'est vous et moi. Ce sont les milliers de membres. Demain, les millions de membres sont eux qui sont là. Et c'est nous qui faisons Crowd1, qui sommes Crowd1. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils n'ont pas de produit. Crowd1 n'a pas de produit. Crowd1 n'a pas de service. Mais Crowd1 est intelligent. Est-ce que vous comprenez là? Crowd1 n'a pas créé de produit, n'a pas de service. Mais Crowd1 a de l'expertise. Crowd1 a de l'intelligence. Crowd1 a la puissance détient une puissance en marketing. Ils savent ce qu'on appelle le crowd marketing. Ils savent comment attirer du monde. Ils savent comment pousser les gens à travailler. En leur donnant beaucoup d'argent d'ailleurs. C'est ce qu'ils font, vous comprenez. Donc, ce sont eux qui sont au milieu. Maintenant, ils vont appliquer un système d'affiliation. On va donc prendre les deux, la colonne vertébrale, là, vous voyez, non? Le ventre et la colonne vertébrale. Dans la colonne vertébrale, à la tête jusqu'au bas, prenons d'abord la tête. Il y a Mixter qui est là. Les pieds en bas, Affilgo. Alors, qu'est-ce que Mixter? Qu'est-ce que Affilgo? En fait, Mixter et Affilgo sont pour eux des plateformes d'affiliation. En fait, quand tu veux être un affilié d'une compagnie, par exemple, vous voulez être l'affilié de Amazon, Amazon va vous dire, mais si tu veux devenir mon affilié, il faut que tu aies un site internet. Parce que moi, je vais te donner les liens de mes produits. Il faut que tu passes placer les liens de mes produits sur ton site. Ainsi, tout client qui passe par ton site pour venir acheter mes produits, alors je te récompense. Et c'est ce que Crowd1 fait. Crowd1 met en place des plateformes d'affiliation qui sont Affilgo et Mixter. Est-ce que vous comprenez? Et donc, Mixter et Affilgo sont les plateformes d'affiliation. C'est-à-dire, tous les milliers, demain les millions de personnes qui sont en Crowd1, si Crowd1 les attire par son marketing agressif, son marketing vraiment, son crowd marketing, si ces personnes-là, ces millions de personnes demain, je vous dis, hein, sont intéressées par les produits des concurrents, non pas des concurrents, mais des partenaires de Crowd1, alors ces partenaires-là sont appelés à verser des commissions à Crowd1. C'est là, vous voyez là, ici à droite, ici, ils ont mis profit 50%, 50-50, 50-50. Si tu gagnes 100 francs, moi j'ai 50 francs, toi tu as 50 francs. Si tu gagnes 100 millions, moi j'ai 50 millions, toi tu as 50 millions. Si tu gagnes 1 milliard, moi j'ai 500 millions, toi tu as 500 millions. C'est ça qui est profit 50%, 50%. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? D'ailleurs, ils l'ont dit. Ils disent, ils signent des contrats. Je vous le montre. Ils l'ont dit ici, je vous le montre. Crowd1 ne doit pas être confondu à une société de jeux ou de jeux d'argent. Crowd1 utilise les réseaux en ligne et les méthodes les plus modernes d'acquisition de clients y compris les systèmes d'affiliation. D'ailleurs, ils font plus d'affiliation, affiliate marketing que toute autre chose. Vous comprenez? Pour créer une base de clients solides. Vous comprenez? D'abord, ce qu'ils sont en train de faire là, ils utilisent leur crowd marketing pour attirer de la clientèle. Regardez à droite ici, ils utilisent le réseau. Le réseau, par exemple, on dit, toi, tu viens, tu es dans le binaire, tu envoies des gens, tu gagnes de l'argent. Donc, ça, c'est le réseau. Vous comprenez? Donc, mais aussi, ils font de l'affiliation. Et donc, pour créer quoi? Une base solide de clients. Donc, vous et moi, là, nous sommes dans le vent de Crowd1. Crowd1 est, la compagnie même est une compagnie d'affiliation. Comprenez? Ils font de l'affiliate marketing. C'est-à-dire, ils attirent, comme ils sont forts en marketing, ils attirent de la clientèle pour les compagnies et avec lesquelles ils ont un contrat. Donc, regardez, écoutez la suite. La clientèle de Crowd1 est ensuite présentée aux partenaires externes. Ça veut tout dire. Via Affilgo, via la plateforme d'affiliation. Affilgo, au tout début, nous croyons, moi personnellement, dans mes explications dans certaines vidéos, je disais que le partenaire Affilgo et Mixter. Affilgo et Mixter ne sont pas des partenaires. Ce sont des plateformes d'affiliation de Crowd1. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est Crowd1 même qui a mis en place la plateforme d'Affilgo et de Mixter, qui sont sa plateforme d'affiliation. Parce que dans le système d'affiliation, le partenaire va te demander, ah, moi j'ai mon site internet qui est là. Mais pour que je sache que les clients viennent de toi, il faudrait que les clients transitent par ton site internet. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez qu'en haut de votre back-office, vous voyez là, Affilgo et puis Mixter. Si je clique sur ça, regardez bien ici, vous voyez 14 € qui est là. Si je clique sur ça, on m'envoie rapidement sur une plateforme d'affiliation. Je me retrouve ici. Regardez, mais tout est ici. Regardez là. Et là, quand je clique sur mon downline, par exemple, mon équipe qui est là-bas se retrouve ici. Regardez ici. Voilà mon équipe. Hein? Et même Affilgo, affilié, go. Affilié, go. Affiliation. Non, ils me font trop rire. Et on continue. Et donc, vous comprenez? Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, vous avez compris que Mixter et Affilgo sont des plateformes d'affiliation pour Crowd1. Pour que toute personne qui est dans le vent de Crowd1, tous leurs membres qui sont intéressés par les produits des partenaires avec qui ils ont signé des partenariats, l'argent soit versé. Donc, l'argent est versé à Crowd1. Ça représente 100% des revenus qui viennent de Affilgo ou bien qui viennent de Mixter. Maintenant, quand l'argent est dans la main de Crowd1, Crowd1 va se poser la question. Attends, cet argent-là, je le partage comment? Parce que moi, je vais partager l'argent que je me fais à mes membres. Et c'est écrit là, noir sur blanc. Et c'est écrit noir sur blanc. C'est pour ça qu'ils vous disent ici que Crowd1 n'est pas une compagnie d'investissement d'argent, investissement à gauche là. Nous ne sommes pas une compagnie d'investissement d'argent, mais nous sommes une compagnie qui offre, qui partage les profits qu'elle se fait à ses membres. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est une phrase très importante. Donc, l'argent arrive à Crowd1 via Affilgo, via Mixter. L'argent arrive via Mixter, via Affilgo. Ça est là maintenant. Ça fait par exemple un montant important à partager. Comment, sur quelle base on va partager cet argent? Alors, c'est pour cela que tous ceux qui l'ont aidé à créer cette économie qu'on appelle crowd economy ou à mettre sur pied ce business de réseau, alors ils vont vouloir les récompenser. Il y a des gens qui ont pris des packs de formation, qui ont apporté quand même de l'argent à la compagnie. Vous comprenez? C'est vrai, ils ont payé de la formation, mais ils ont contribué à la construction de la compagnie. Il y a des gens qui ont recommandé cette affaire à leurs amis, qui ont contribué à la construction de cette compagnie. Crowd1 veut les récompenser. Tu n'as pas assez d'argent, mais grâce à toi, tu as pu construire un réseau. Crowd1 veut récompenser cela. Tu as de l'argent, tu as pris un pack de formation qui t'a donné beaucoup de honoraires. Toi aussi, je vais te récompenser. Mais sur quelle base? Beaucoup ont payé des packs élevés de formation. Beaucoup aussi ont parrainé des gens. Comment je vais les récompenser? Voilà la question la plus importante de Crowd1. Crowd1 dit, je vais vous récompenser selon le nombre de honor rights que vous possédez. Si donc, mon frère, les 100% que j'ai reçus via Mixter, via Affilgo, je vais te demander demain. C'est pour ça qu'à l'adhésion, je vais te donner désormais les deux types de honor rights. Désormais, Crowd1 va donner les deux types de honor rights à tout le monde à l'adhésion. Vous le voulez savoir, je vous le montre. Oh, c'est déconnecté, excusez-moi. J'espère que c'est bon. OK, nous y sommes. Regardez ici. Ils vont donner des honor rights à Affilgo et Mixer pour toujours. Sachant que il y a le Pioneer Honor right est un honor right qui existe là pour ceux qui ont été pionniers. Nous, les pionniers, on a notre Pioneer Honor right. Mais les nouveaux, il n'aura pas seulement Mixer, mais il aura Affilgo, Honor right Affilgo et Honor right Mixer. Et donc, c'est en fonction de ça qu'on va rémunérer les gens. Combien de Honor right Affilgo tu possèdes? Combien de Honor right Mixer tu possèdes? C'est en fonction de ça que moi, je vais te récompenser. C'est pour ça qu'ils vous disent que quand quelqu'un prend la formation, eux ne vendent pas, mais eux donnent. Et donc, quand tu payes leur formation, eux te donnent des honor rights, des titres de propriété, comment on appelle ça? Des actifs numériques, pardon, ou bien des droits de propriété, à partir desquels on saura de façon équitable comment te récompenser. Et d'ailleurs, ils le disent ici. Ils le disent ici. Non, ce n'est pas ici. Ils le disent ici. Je vous le montre encore. Ça dit comment de façon équitable on peut récompenser les gens. En fait, eux, ils veulent partager l'argent, mais on partage ça comment? Sur quelle base on partage cet argent? Voilà. Donc, c'est sur une base qu'il faut partager cet argent. Il y a deux manières de partager l'argent. Donc, eux, ils disent que, regardez ici, parlant des honor rights, donc, ils disent que le honor right, là, c'est une manière pour eux de faire un retour, de payer des retours, des intérêts ou bien des profits à des gens de façon juste. Quand on dit « fair return », c'est quelque chose que tu mérites vraiment, quoi. Vous voyez, non? Voilà. Et c'est pour ça que le honor right a été mis sur pied. Le vrai but des honor right, c'est de récompenser les vraies personnes qui le méritent. Right people, right distribute profit to the right people, aux gens qui le méritent vraiment. Qui le mérite? C'est ceux qui détiennent les honor rights. Donc, on a Affilgo, grâce à qui, via lequel on a de l'argent. On a Mixer, via lequel on a l'argent. On veut partager. Maintenant, les Crowd1, les 100% de l'argent qui vient ici, Crowd1 prend 20% pour se gérer lui-même. Ils vont donner 40% à ceux qui détiennent les honor rights. Maintenant, quand les 40% arrivent dans le lot de ceux qui ont les honor rights, de Affilgo, bien de Mixer, effectivement, c'est ça. Quand on doit partager 40% là, 40% de l'argent qui vient d'Affilgo là, c'est ceux qui détiennent les honor rights d'Affilgo qui vont se partager ça. Maintenant, quand l'argent vient via Mixer, c'est ceux qui détiennent les honor rights de Mixer qui vont se partager. C'est pour ça que désormais, à l'adhésion, on donnera les deux types de honor rights pour Mixer et pour Affilgo. Ce sont les deux là qui vont aider les gens à se faire de l'argent. Donc, les 40% là, on va partager. Dans les 40%, on va payer chacun selon le nombre de honor rights qu'il détient. Si tu détiens petit, tu vas au prorata, tu vas recevoir par rapport à ce que tu détiens. Dans les 40%. Donc, on a pris 20% pour Crowd1, 40% pour ceux qui détiennent les honor rights. Et ceux qui détiennent les honor rights, on doit les payer, on les paye chaque 3 mois. Qu'ils fassent réseau marketing. Tu as parrainé ou tu n'as pas parrainé, chaque 3 mois, tu es payé. Voilà la première façon pour Crowd1, la solution de pouvoir payer les gens. Donc, leur but, en fait, c'est quoi? Leur business, c'est quoi? Eux, ils sont une compagnie puissante de marketing. Et mais ils le disent clairement que nous sommes une compagnie de marketing. Nous savons attirer de la clientèle. nous pouvons attirer de la clientèle. Vous comprenez? Et compagnie et marketing compagnie. Nous savons attirer de la clientèle. Nous savons générer de la clientèle pour les gens, les compagnies. Gérer un real customer. Ça, c'est notre travail. Nous sommes une compagnie de marketing. Nous savons attirer de la clientèle pour les compagnies. Et ça nous donne de l'argent. Cet argent, nous voulons le partager à les membres. Mais sur quelle base on va partager ça avec les membres? C'est sur la base d'abord des honor rates. Mesdames et messieurs, la clé de leur business sont les honor rates. Si tu en as assez, tu peux te faire beaucoup d'argent. Tu n'en as pas. Maintenant, les mêmes honor rates prennent la valeur au fil des jours. Les mêmes honor rates prennent la valeur au fil des jours. Donc, si les honor rates prennent la valeur, il y a une deuxième façon aussi de vous faire de l'argent. Pourquoi? Un peu comme les actifs numériques. OK? Vous avez des actifs numériques. OK? Comme un peu les crypto-monnaies. Les jetons. D'ailleurs, on parle de jetons numériques. On parle de tokens. N'est-ce pas? Regardez là. On parle de Pioneer Token. Vous voyez là où il nous emmène là. Pioneer Token. Alors, le Pioneer Token est une valeur numérique. C'est un actif numérique que j'ai. Et qui prend aussi de la valeur. Comme aussi, le Bitcoin prend de la valeur. Comme l'Ethereum prend de la valeur. Aujourd'hui, mais Pioneer Token aussi prend de la valeur. Et donc, de la même manière que vous voyez là pour le mixeur qui a commencé sur le mixer, un jour, ça va atteindre 2 € comme aujourd'hui. Mais Pioneer Honor Rate, on prend de la valeur pour atteindre 2 € ou ça me donne 13 782 €. Vous comprenez? C'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Maintenant, quand je détiens les honor rates, je me fais de l'argent à deux niveaux. D'abord, mes honor rates prennent la valeur. Demain, je peux les vendre. Mais le fait de les détenir, je dois avoir de l'argent chaque 3 mois. Cela veut dire que si vous vendez tous vos honor rates, un jour, si le prix est intéressant que vous vendez tout, vous ne pouvez plus avoir le droit de recevoir des dividendes chaque 3 mois. Ça aussi, c'est de l'intelligence pour eux. Les gens ont déposé de l'argent pour la formation, on leur donne des honor rates, beaucoup. À un moment, d'autres vont tout vendre. Et s'ils vendent tout, sur la plateforme de spéculation qui sera ouverte bientôt, alors ils ne pourront plus jouir des dividendes. Tant que vous n'avez pas retiré votre argent, vous n'avez pas tout vendu, vous pouvez jouir des dividendes. Si vous vendez tout, vous ne jouissez plus des dividendes. Parce que selon eux, quand vous possédez, vous pouvez vendre ou bien vous pouvez acheter vos honor rates. On peut acheter des honor rates. Donc, ceux qui n'ont pas pu avoir, par exemple, le Pioneer Honor Rate que nous détenons, OK, qui sont là, ça, qui sont devenus des Pioneer Tokens, des actifs numériques qui prennent la valeur, demain, nous pouvons vendre aussi. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 3 types de honor rates. Il y a le honor rate des pionniers, le honor rate de mix qui est lié à Mixter, et puis le honor rate lié à Affilgo. Je n'invente rien. C'est la nouvelle information à la date du 19 novembre 2019. Et voilà les 3 types de honor rate. Maintenant, à gauche, on a fini de décrire ce qu'il y a à droite. À gauche, ils ont mis là une autre information importante. Ils disent Network Level 1 à 15. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils se sont posé la question, sur quelle base on va partager les autres 40%? On a partagé 40% par rapport à ceux qui détiennent les honor rates. Maintenant, quels sont ceux? Ils vont se demander, mais le monde qui est venu et qu'on a pu les envoyer à Affilgo, via Affilgo pour qu'ils puissent acheter des choses chez le partenaire pour lequel on a eu de l'argent, qui a attiré ce monde-là? Ce sont des membres qui m'ont attiré ce monde. Mais ce n'est pas tous les membres qui ont attiré ce monde. Quels sont ceux qui ont pu attirer le monde? C'est ceux qui ont construit une équipe, qui ont construit un réseau. C'est grâce à eux. Crowd1 dit, je vais aussi les récompenser. Mais comme ils n'ont pas le même niveau, comme ici aussi, les honor rates, on n'a pas le même niveau, le même nombre de honor rates, il faudrait les récompenser selon le mérite. Et qu'est-ce qui va te permettre de connaître qui a le mérite de recevoir des honor rates? Cette fois-ci, pas par chaque 3 mois, mais mensuellement. Crowd1 parle de affiliate residual. Et l'affiliate residual est une commission de Crowd1 qui est payée chaque 3 mois. Excusez-moi, mensuellement. Je suis en train de me mélanger. Mensuellement. Donc, pendant que les dividendes sont payés chaque 3 mois, l'affiliate résiduel est comme un salaire, en guillemets, qui est payé chaque 3 mois selon le montant que Crowd1 se fait par mois via Affilgo ou via Mixter. Mais cette fois-ci, on ne dira pas, mais tu détiens combien de honor right? Non, mais quel est ton niveau dans le réseau de Crowd1? Et pour voir le niveau, pour savoir à quel niveau vous avez, ça se voit ici. Dans votre back-office, regardez là. Ce macaron-là, dès qu'il apparaît net, c'est que vous êtes qualifié pour l'affiliate résiduel qu'on est en train de voir actuellement. Donc, je clique dessus et là-bas, notez bien que les 1 rang, premier rang jusqu'au 15e rang, dont eux ils parlent ici, là, ça est bel et bien là. Ils disent 1, network level de 1 à 15, monthly, 40%. Donc, de 1 à 15, voilà, de 1, niveau 1, il y a team leader, il y a 5 grades. Dans chaque grade, il y a 3 sous-grades, 3 fois 5, 15 niveaux. Voici les 15 niveaux qui sont là. Et donc, en fonction de cela, on vous paye de l'argent chaque mois. Moi, par exemple, je suis team coordinateur 3 étoiles, je suis qualifié pour, le niveau 6. Et donc, en fonction de ma qualification niveau 6, on va me verser de l'argent chaque mois par rapport à cela. Mesdames et messieurs, voici comment, à Crowd1, 2 groupes de personnes peuvent se faire de l'argent. Ceux qui viennent, qui ne parrainent pas, doivent acquérir assez de tokens, assez de honor right pour se faire le maximum d'argent à recevoir chaque 3 mois. Ceux qui viennent, qui parrainent, doivent construire un réseau dense qui génère beaucoup de points et les points donnent des qualifications en termes de grades. Voilà donc comment les adhésions, les pactes que les gens prennent. Si grâce à vous, la compagnie génère beaucoup de clients, c'est ça qui est la question. Quand la compagnie dit qu'elle génère des clients, ici, là, quand elle dit qu'elle génère des clients, les clients, là, génèrent-ils real customer? Grâce à qui ces clients viennent? C'est grâce aux gens qui font le réseau, ceux qui font la recommandation, ceux qui font l'affiliation. C'est grâce à ces gens-là. Donc, on veut les récompenser selon cela. Et donc, c'est grâce à ceux-là que cela est fait. Et on doit les récompenser selon leur qualification. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. Voilà comment il faut comprendre le squelette, le modèle de business de Crowd1. J'ai fait une vidéo de 1 heure qui présente la compagnie, ses bureaux, ses responsables, le concept. Ça a pris 1 heure de temps. Je fais cette vidéo, cette petite vidéo de quelques minutes. Je ne sais pas combien de minutes ça fait maintenant. Peut-être 15 à 20 minutes pour vous aider aussi à comprendre, sans une longue vidéo, quel est le concept, quel est le modèle de business. Comment l'argent vient, comment on se fait de l'argent. Vous avez compris, les honor rights nous donnent 2 choses. Elles prennent la valeur pour vendre d'eux-mêmes pour faire de l'argent. Et pendant que vous en détenez, vous faites de l'argent chaque 3 mois. En même temps, vous faites de l'argent dans le réseau parce que vous avez construit un réseau. Mais attention, Crowd1 a d'autres commissions dont, que nous ne pouvons pas voir durant cette présentation. En l'occurrence, je vous les cite rapidement. Voici les bonus de Crowd1. Excusez-moi, voilà. Donc, on a les bonus suivants. Excusez-moi, je vais ici. Les bonus qu'on pourra voir dans une autre vidéo sont le Streamline Bonus, le binaire bonus, le matching bonus, affiliate residual, fear of loss et network level qui me permet de voir avoir des voyages de luxe, de VIP. En mai 2020, j'aurai un voyage sur la croisière, sur le bateau de luxe de Crowd1. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kouassi. Merci pour votre attention et voilà que cette vidéo vous a permis de maîtriser le concept de Crowd1 en moins d'1 heure. Mais je vous recommande la première vidéo que j'ai faite qui vous donne assez d'informations, mais elle est de 1 heure de temps. Merci et ciao.